Arc d'Espérance est un programme de l'IECD, l'Institut Européen de Coopération et de Développement, et qui soutient en Côte d'Ivoire notamment la filière du CAP électricité d'équipement au sein de 4 centres de formation professionnelle. Donc capter de l'énergie solaire, d'accord, transformer cette énergie solaire en... Le partenariat avec la Fondation EDF, il nous permet en fait de compléter le corpus d'enseignement du CAP sur le volet du photovoltaïque. C'est un projet qu'on mène ensemble depuis 2019. Aujourd'hui, c'est à Bengourou pour nos élèves de troisième année. Ces formations sur l'énergie photovoltaïque correspondent à un véritable besoin du marché et donc offrent des débouchés complémentaires pour nos élèves. Ils ont, à la sortie de leur cursus, un plus. Donc, le projet que EDF soutient en partenariat notamment avec IECD, consiste à former des professeurs et enseignants des centres de formation en Côte d'Ivoire au fonctionnement d'une installation photovoltaïque. C'est un module complémentaire en ce sens que dans leur curriculum initial, il n'existait pas de formation photovoltaïque. Et là, EDF vient de leur apporter un plus qui va certainement leur servir. Nous sommes la première promotion à avoir reçu la formation par le groupe EDF, la position de la Côte d'Ivoire. Nous voyons qu'il y a des villages qui ne sont pas électrifiés. Donc, s'ils peuvent nous donner l'opportunité de placer des panneaux comme nous avons fait dans l'école afin de procurer de l'énergie à un petit village, en tout cas, ça pourrait nous réconforter encore plus